Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va, il fait beau, il fait bon, on peut pas rêver mieux. Alors, on se retrouve pour la suite de notre avancement sur le chapitre 4 de Resident Evil, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, dans l'épisode précédent, on avait retrouvé Irving, mais ce dernier s'est enfui grâce à l'aide d'une personne mystérieuse. Donc, nous nous sommes mis à sa poursuite et nous avons rencontré une arme biologique, sûrement laissée par ce dernier, et nous l'avons affrontée et tuée. Chapitre 2-3, pas chapitre 2-4, j'ai fait une erreur. Donc, une voiture de l'équipe Delta est venue nous récupérer et nous voilà. Ce chapitre, je l'ai vraiment apprécié, vous allez comprendre pourquoi. Ça va être vraiment fun à jouer. Donc pour ce chapitre, je n'ai fait aucune amélioration d'armes, car il n'y en avait pas besoin. J'ai laissé tel quel et on verra pour le prochain chapitre. Les plus chiants dans ce chapitre, ce sont les camions et ceux qui nous envoient les cocktails Molotov. C'est ce qui me fait perdre le plus de santé, enfin, la santé de la voiture. Faut faire gaffe, en bas à droite, vous voyez que quand je tire, il y a une petite. Le cercle se remplit de rouge et dès que ça atteint le seuil maximum, j'ai l'arme en surchauffe et je ne peux plus tirer pendant moins 6 secondes. Ça peut être très cruel. Voilà, on se débarrasse du prochain camion et là encore un cocktail Molotov. Chapitre, il faut vraiment être rapide et speed, hein, sinon ça casse. Hein. On n'a pas le droit à l'erreur une seule fois. Là, c'était la police africaine qui nous a fait un petit barrage pour pas qu'on passe. Hop, notez le changement soudain de météo. Il commence à faire nuit. On voit le soleil se coucher dans le fond.
Là, pour ceux qui ont joué à Resident Evil 4, vous allez sûrement reconnaître un ennemi. Vous allez voir ça de suite. Ça a été mortel pour lui. Et voilà, on remonte dans notre petite voiture et c'est reparti. En plus, il faut faire attention parce qu'on a quand même des ennemis qui arrivent à côté de lui. Même s'ils nous enlèvent un petit peu de vie, c'est peut-être ce qu'il ne faut pas perdre si le troll nous touche. Là, c'est genre deux robots ou deux plagas qui sortent de ses bras. Il faut arriver à les détruire pour avoir le principal et l'affaiblir comme ça. Voilà, donc à ce moment précis, faut pas, faut envoyer, envoyer et envoyer. Ah, vraiment pas mal de petits clins d'œil à Resident Evil 4 quand même. Il arrache un poteau. Il nous fonce dessus. Il y a vraiment des petits mouvements similaires. C'était sympa ou alors ça faisait être trop copié-collé. À voir. Pour la deuxième fois, je le mets à terre. Enfin, on le met à terre. Ouais, comme qu'il s'en prend des balles. Mais ça ne suffit pas. Il faut recommencer une troisième fois.
me voilà pour la troisième fois. Et regardez ce qui manquait à peine. Il manquait vraiment rien. Et voilà, le troll est battu. L'équipe Delta s'est faite décimer à son tour. On n'a vraiment pas de chance. Sauf Josh qui reste porté disparu pour l'instant. C'est beau quand même ce sens du partenariat. Et voilà, on monte à bord d'un hydroglisseur, si je dis pas de bêtises. Et en route pour les marées. Nous, on a fini ce nouveau chapitre 2-3. Le prochain sera certainement le 3-1. Je vous dis donc à la prochaine jusqu'à ce chapitre. Bon jeu à vous tous. Bye bye.